Coucou tout le monde. Et de la salade. Alors je vais faire le feignant, je vais attendre qu'ils mettent des caisses dans le camion. Je vais les mettre ici sur elle, c'est pas grave. On va regarder ce que nous on va faire. Alors. Senora Freeway, elle est faite. On va aller chercher des patates. Oignons, haricots, pommes de terre, enfin les patates. De bien sûr, je pense que j'ai pris le seul qu'il fallait pas prendre. Voilà, un manque d'huile.
attention de ne pas ruiner le champ quand même. On tape pas mal dans la pomme de terre depuis tout à l'heure. Pète s'arrête enfin. J'en peux plus de cette neige. L'inventaire est déjà plein, quoi. Oui. Non, si je peux pas faire plus rapide, je vais regarder. Est-ce qu'on f... Ah ouais, mais non, je pourrais pas.
Hop là, allez, on va s'occuper d'aller livrer les deux trucs de paletto. Parce qu'il y a de... oui, il y a du gasoil, c'est bon. Drone. T'étais en matinale ce matin, j'ai pas fait gaffe. Tu me fais marrer avec tes monsieur Chiers à longueur de temps, quoi. Ah, ça te plaît, l'Espidi? T'as jamais joué, toi, il me semble pas. Hein. J'ai pas souvenir que t'avais eu déjà un rôle au flic, ça me dit rien. Mentos, merci pour ton follow. Ah, donc c'est une découverte. Bon, c'est sympa, hein. En plus, là, tout est à faire, donc ça a un côté encore plus sympa, quoi. Par contre, quoi? Le flou des messages? Ah, pourquoi tu dis ça? Ouais. J'avoue. Donc on se discipline au FBI, je suis d'accord. C'est un peu trop troll, on va dire. Ouais, non, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Sur les agents du FBI, autant sur les MJ. Sur les MJ type gang ou des choses comme ça, on se la joue salopard, quoi. Que le FBI, ouais, je pense qu'il faut garder un petit côté. C'est le FBI, quoi. Clairement. Ouais, alors ça, c'est... on va être clair, hein, c'est une erreur. Donc voilà, il fallait qu'on récupère l'arme. On s'est dit, bon, allez, on va la jouer comme ça, parce qu'il fallait qu'on récupère le truc suite à cette erreur. Mais c'est tout, quoi. C'est des patates. À la base, c'était pas prévu de lui faire un give. Hein. C'est vraiment une erreur. Justement, on jouait un perso. On devait jouer un perso MJ par rapport à un truc qu'on avait vu. Et quand l'un des MJ s'est fait le give pour se prendre l'arme, il s'est planté d'ID joueur, en fait. C'est pour ça que c'est Wade qui l'a reçu. Non, non, il y avait le truc, c'était le but, c'était de récupérer l'arme, sinon on serait jamais venu. Hein. Le but, c'était de récupérer l'arme, voilà.
Ça, par contre, ça, c'est quelque chose que les gens vont découvrir en RP. Histoire de la veste, je ne vais pas tout te dire. Alors, celle-là, c'est fait, je mets à jour. Tac. Façon service Paléto. Tac. Mais en gros, hier est arrivé à d'autres ce qui est arrivé à Wade l'autre jour, quoi. Sauf que c'était pas une histoire de veste Lost. Oh, j'ai rien dit d'exceptionnel, hein. Mais ouais, le FBI, faut que. Enfin, moi du moins. Après les autres font ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi, ouais, j'ai envie de la jouer peut-être un peu plus. Plus dans les clous de ce que pourrait être un FBI, quoi. Quitte à la jouer, le fameux triptyque du bon, de la brute et alors pas du truand mais du scientifique, mais allez hop, ça c'est fait. Prochain truc à livrer, à première vue, qu'est-ce qu'il lui manque là? Et ben, il lui manque orange et pomme. Donc c'est parti. Et je vais pas me faire chier, je vais faire les deux. Pomme, orange, on fera 150 de l'un, 150 de l'autre. Pomme, hop, orange. C'est bien le machin là au final, wow, là, la saison de je sais pas quoi, c'est de la découverte, je sais pas comment ils ont appelé ça. C'est vraiment intéressant ou pas? Enfin, moi je me sens tellement pas de reroller encore un truc.
J'avais repris un peu le Dragonflight là. Voilà, c'est ce que je me disais, hein, à première vue, les histoires des raids Black Phasm Blitz et tout ça, pas l'air transcendant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Mais j'ai joué un bon 3 semaines là avec le nouveau patch qu'ils ont fait là sur le machin d'Emerald, là, sur la version actuelle du jeu, le retail. Ça, j'ai trouvé ça, je trouvais ça sympa, mais c'est pareil, au bout de 3 semaines, t'as fait le tour. Fin... Mais bon, ouais, ça cool, j'ai fait un peu de LFR, j'ai même pas fait la dernière aile parce qu'elle n'était pas encore ouverte. Bah, le problème, c'est que, wow, après, moi, je pars du principe que si tu raides pas dans du machin mythique, un peu compliqué, et encore, même ça, je pense qu'à force, ils sont balèzes hein, pour essayer d'encore trouver, je dirais, des mécaniques au boss et compagnie, mais ça, force, ça commence à être réchauffé, quand même, hein. Et il n'y a rien à faire, hein, le craft, là je regardais, même si là on va avouer, ils ont fait des efforts sur cette extension-là, mais il n'y a rien à faire, je trouve que c'est pas intéressant, encore une fois, c'est... Je comprends pas pourquoi ils laissent pas plus de choix aux gens, enfin, moi je dis, si tu as envie de crafter un truc, tu devrais être capable en solo de farmer tes compos pour, sans avoir à faire du raid, ou alors pourquoi pas du LFR, mais... pour toi, trouver tes compos et crafter ton stuff, et ton stuff il sera item level. Au moins, tu vois héroïque, tu vois raid héroïque. Si t'as envie de le faire en craft, tu le fais en craft. Si t'as envie de le faire en donjon, tu le fais en donjon. Si tu veux le faire en raid, tu le fais en raid. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre quoi? Enfin, franchement, je comprends pas. Autant avant, ça avait un intérêt quand il n'y avait pas la transmo, il n'y avait pas tous ces trucs là parce que tu pouvais, c'est con à dire, mais moi je me rappelle quand je me suis baladé avec mon démo avec le premier, je crois que c'était le T4 ou le T5 là, celui qui avait des têtes de mort là sur les épaules. Ouais, tu débarquais à Chatra avec ça, tu te la pétais un peu, les mecs ils diraient ah, putain ouais le gars il a fait ça parce que ça me montrait ce que t'avais réussi à faire ton stuff. Maintenant avec la transmo tout ça, tu sais plus. Donc pourquoi encore brider autant les gens sur les items level? Je comprends pas. Moi j'aurais tellement aimé pouvoir m'éclater en craft dans un jeu comme WoW et en fait ben ça n'a jamais été le cas. À part l'alchimie et l'ingénierie, encore l'ingénierie, ça dépend bon. Si tu fais du PvP, ça peut être sympa, sinon. Je sais pas. Je deviens un vieux con, je pense. Ouais, c'est ça. Après, moi j'ai joué à toutes les extensions. Enfin, j'ai joué. Mon Dieu. Autant. Les trois premiers, enfin le WoW Vanilla, Burning Crusade, salut Lapinos, merci pour ton follow, et Lich King, j'ai joué comme un porc, je raidais 6 soirs par semaine, salut Gatsu, je raidais 6 soirs par semaine, et le 7e soir, c'était, merci pour ton follow, c'était comment c'était fait pour aller chercher ta bouffe, tes potions, tes machins pour les 6 autres jours. Après j'ai lâché, mais j'ai quand même joué, mais l'extension sortait, je prenais un mois d'abonnement et à la fin du mois, je jouais plus quoi. C'est Cataclysme qui m'a donné l'envie d'arrêter le jeu. Une semaine après la sortie du jeu, j'ai arrêté. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Quand tu regardes la courbe des abonnés, il y a énormément de gens qui avaient stoppé une semaine après. Monsieur Azikostas avait absolument saccagé toutes les classes. Et il en est fier. Et là, je sais pas, c'est quoi? On est à quelle version là? La 10e? C'est la 10e, donc c'est la 9e extension? Forcément, ça commence un peu à tourner en rond. Les dragons, c'est pas mal, hein? Les montures. J'ai trouvé ça cool, moi. Ouais, quand même. Elles se déplacent vite, machin. T'as un peu d'action à faire pour dire de pouvoir maintenir le vol. C'est un peu plus intéressant que la monture de base quoi. Burning Crusade, ben moi je me suis, enfin
je suis hyper nostalgique de WoWania, mais quelque part, c'était la première fois que j'étais dans une guilde avec plein de mecs. C'était une autre époque, hein. Faut bien comprendre. Moi, à l'époque, quand je jouais à WoW, tu te connectais à Mumble avant même de lancer le jeu parce que tu venais parler avec tes potes de la guilde, quoi. Moi, il y avait des moments où j'étais sur le Mumble, je parlais 2 heures avec les mecs, j'avais même pas encore lancé le jeu. Que les dernières fois que j'ai été dans une guilde, c'était à Légion. Mais les mecs, tu venais sur le Discord, il n'y avait personne. Les mecs se connectaient juste pour faire le raid, il n'y en a pas un qui parlait. Et à la fin du raid, tu voyais les mecs se déconnecter, tu n'avais même pas entendu le son de leur voix, quoi. Moi, c'est une autre époque. Et ça, je suis hyper nostalgique de ça et de WoWania parce que j'ai eu des. J'ai des comment des souvenirs de cette époque-là. J'ai gardé des potes de cette époque-là sur mon Discord. J'ai des mecs que j'ai connus de cette époque-là. Et après, en termes de. Moi, j'ai vraiment aimé Lich King. Mais je me suis arrêté. Je me suis arrêté avant la fin parce que ça commençait déjà un peu à saouler, en fait. Tout simplement. Burning Crusade était très très bien aussi, clairement. Qui fait Burning Crusade mon premier perso solo et j'ai arrêté sur Cataclysme, c'est devenu casu. Ouais, moi, Cataclysme, ce qui m'a vraiment gonflé, ça a été le changement. Moi, je jouais Paladin sur Lich King, j'adorais cette classe. Alors, pourtant, j'étais côté Horde, hein, donc c'était une nouvelle classe, entre guillemets, qu'on avait eue. Je sais plus quand est-ce qu'on l'a eu, le Paladin côté Horde. Je sais plus si c'est Burning. Ouais, c'est Burning Crusade, je crois qu'on l'avait récupéré et l'Alliance avait eu les chamans. J'adorais mon pal. Et je jouais healer et vraiment j'adorais ça. Et quand est arrivé Cataclysme, ils avaient mais totalement pour moi saccagé la classe. En fait, on devenait la même classe de heal que les autres, donc on avait de la heal, on avait tout ça, alors qu'avant on était très focus mono cible, on était là pour sauver le cul des gens, etc. Et j'ai détesté. Vraiment j'ai détesté. En plus, sur les premiers instants, enfin les premiers mois de l'extension. Le moindre sort te bouffait une mana terrible, t'étais oum à longueur de temps. Enfin, vraiment, ça m'avait déplu, en fait. Le mot n'est pas trop fort, quoi. Donc c'est là, ça m'avait arrêté. J'avais stoppé. J'ai juste fait un boss, le boss PVP, là, qui était à Tol Barad. J'ai même pas fait un seul raid. Alors que j'étais un gros raider, je raidais 6 soirs par semaine. Et là aujourd'hui, je joue 1 mois par an. Je joue un chasseur. C'était mon deuxième perso de créé à l'époque. Mon perso d'origine, c'était un War. Je fais jusqu'à la fin de BWL avec le War. Puis après, j'étais passé sur le démo. Et puis le jeu est devenu trop jouet, monture, mascotte. Ça plaît, hein, il y a encore pas mal d'abonnés, donc tant mieux, mais pas trop ma tasse de thé, quoi. Je fais des combats de mascotte parce que j'en ai un paquet, mais je cherche pas à les collectionner, quoi. Je suis pas un collectionneur de base. Ah mais j'ai dit que je ferais la moitié d'orange et la moitié de. Bon, c'est pas grave, on fera les deux. La boutique rose, c'est ce qui leur rapporte le plus d'argent, donc on voit ce que c'est devenu. Je sais pas, j'ai pas de chiffres, j'en sais rien. Ils m'ont fait marrer quand ils sont arrivés avec le token WoW, avec le genre le machin révolutionnaire, etc. En fait, c'est juste un truc qu'ils ont intégralement pompé à 100% sur EVE Online. Ça existait depuis 3 ans ou 4 ans sur EVE Online, le principe.
Après, bon oui, ça permet quand même aux gens de. Moi, je sais plus, je dois avoir 3 millions et demi de gold. Ouais, je peux jouer un paquet de temps, je pense, sans payer. Après, les golds aujourd'hui, sous le jeu, honnêtement, à part acheter des tokens, de toute façon, ça sert pas à grand chose. Donc, Et bing. Evenline, ça c'est un jeu si vous connaissez pas. Ah oh merde, il est dans le camion. Ça c'est un super jeu, Evenline, alors je vous préviens. Ça bouffe le temps. La hitbox du camion, c'est une horreur. J'en ferai peut-être un peu ça de. Oh non, elle est pleine quoi. Ouais, je vais prendre les caisses. Hop. J'en ferai peut-être à l'occasion ça du Evenline, mais c'est remettre. Compliqué. Ouais, alors non, enfin non. Moi de base, j'ai jamais dépensé le moindre euro pour acheter quelque chose. Hein. T'as un abonnement, c'est un jeu avec un abonnement, ça c'est clair. Qui est pas pour rien d'ailleurs. Ça vaut 20 balles, je crois, par mois. Mais après, bah, tu gagnes ta vie dans le jeu et t'achètes des vaisseaux. Ah non, oui, ça c'est Star Citizen. Ouais, mais ça, bon, moi je vais rien dire parce que je sais qu'il y a des fans, mais. Je reste persuadé que c'est le scam du siècle, ce machin-là, mais on verra. Hein. Au moins, ils auront développé des technos sympas, mais. Non, non, EVE Online. Par contre, EVE Online, c'est un space opéra, mais c'est puissant. Vraiment, c'est puissant. Hein. Que ce soit le combat en alliance ou l'industrie est absolument incroyable. Tout ce qui est craft et tout, c'est d'une. C'est un truc de maboule, mais vraiment. Mais c'est très compliqué à prendre en main, vraiment. Ah, je sais pas s'ils ont mis une intégration, je sais pas, mais en tout cas oui, c'est un jeu. Alors ça dépend ce que tu fais. Si tu fais, si t'es un combattant, non. Pff, sincèrement, si t'es un combattant, t'as toutes les interfaces à l'intérieur du jeu et tout, c'est nickel. Il y a le, c'est surtout que ça a été sacrément amélioré, donc t'as pas besoin de ça. Par contre, si t'es un industriel, ouais, là clairement. C'est tellement balèze comme truc que tu peux même être un trader. Moi, à l'époque où je jouais, j'y ai joué pendant 4-5 ans de manière très intensive. J'étais un très très gros industriel et un trader. Moi, je pouvais arriver sur le marché et dire voilà, tel module qui équipe beaucoup de vaisseaux, j'achète le stock entier parce que j'étais riche comme pas possible. Et je manipulais le marché, quoi. C'était assez ouf. Ben, on verra, Rod, on peut pas en discuter, mais je sais ce que veut dire scam. Dans tout le métier que je fais, je sais ce que c'est un scam. Et je ne change pas mon mot. Mais on en parlera dans 10 ans. On peut pas en parler avant. Mais voilà, après, oui, Excel, oui, c'est vrai que moi, je me rappelle à l'époque, alors c'était pas intégré, hein, clairement pas. Mais tu avais des API. Et donc je récupérais les API de mon personnage en intégration Excel, effectivement, pour récupérer automatiquement les données issues de mes chaînes de fabrication, etc., etc. Mais quand tu dis intégration, ils ont fait quoi au juste? J'irai voir à l'occasion, mais.
Parce que là, justement, je me tâte à relancer un de mes comptes sur EVE Online, mais juste en mode industriel, parce que le mode combat, j'en ai fait. J'en ai tellement fait, ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis, j'ai pas envie de repartir. Enfin, je peux pas RP et être sur EVE Online et machin, ça prend trop de temps. Par contre, de l'industrie, ce qui est cool, c'est que tu peux jouer. Tu joues une demi-heure, une heure, tu lances tes chaînes de fabrication. Tu reviens le lendemain, ça c'est terminé, tu prévois tes logistiques, etc. Ça c'est jouable. Un add-on qui va directement récupérer les infos sur ton Excel et qui peut te faire des spreadsheets directs. Ok, en plus je crois qu'ils utilisent Crest en API maintenant. Ce qui veut dire que c'est bidirectionnel, donc limite tu peux envoyer à partir de ton Excel par exemple des trucs dans le jeu. Moi à l'époque où je jouais c'était uniquement en réception. De 20 balles par mois, ils abusent. À l'époque où je jouais, c'était 12. Et 20 balles. Surtout que c'est un jeu. Quand t'es dedans, tu joues pas avec un seul compte. Hein. Ok, je regarderai. Effectivement, je ne savais pas que ça m'intéresse. Ce qui m'embête en fait là sur EVE Online, c'est que à l'époque où je jouais, il y avait plus de joueurs quand même sur le jeu, faut être sincère. Et donc il y avait beaucoup plus de développeurs tierce partie et des mecs faisaient justement des logiciels sous Windows qui permettaient de gérer justement un peu ton industrie, etc. Donc c'était vraiment des exécutables Windows, c'était des programmes Windows. Et là, j'ai vu tous les trucs que je connaissais de l'époque qui n'existent plus. Il doit encore y avoir Evemon qui existe, mais qui est vraiment axé sur un truc précis. Et donc, il n'y a plus vraiment de gestionnaire de. Donc, ça, c'est un peu dommage. Ou alors, je suis passé à côté. Ce qui est possible aussi. Mais j'ai fait des soirées là-dessus. Des combats PVP à 3000 contre 3000. Épique. Chaque fois. C'est The Hunter aussi que j'ai réinstallé là, je voudrais me remettre un peu. Ça, il faut être patient, hein. Allez hop, on va aller relivrer les trucs. Les supérettes de paletot.
Je vais juste reprendre un peu de jus avec moi. Et ton machin, je sais pas si t'es encore là, Rod, là, ton perso que tu levelais qu'à coup de farm de mobs, là, c'est toujours en cours ou... Bon, je sais plus, t'étais en mode hardcore aussi là-dessus, je crois. Ouais, ok. Ah, ça, t'as du courage, hein, sincèrement, putain, ça doit être long. Ouais, j'avais pas la hype de ce truc, sincèrement. Autant le truc avec les classes là, qui récupèrent des sorts ou je sais pas quoi, je trouvais ça bon, pourquoi pas. Mais déjà, ça dénature la classe, quoi. Mais bon. Ah non, mais t'es un maboule, toi, sincèrement. T'as l'histoire des allumettes, mais. T'es un fou furieux, quoi. Moi là, tu vois, le farm que je suis en train de faire, c'est limite quoi. Hein? Et encore, c'est parce que je suis le patron de l'entreprise, etc. Donc j'essaye de mettre des trucs en place. Donc c'est surtout ce côté-là qui m'intéresse. Parce qu'à chaque fois que je me suis retrouvé dans une entreprise comme celle-là, en RP, ça n'a jamais duré très longtemps. Hein. Une horreur. Le camion là, le camion de PNJ qui essaye de rentrer dans la. Sérieux quoi. Oh, la santé là. La station qui va péter. C'est marrant qu'ils ont prévu de faire rentrer un camion avec une remorque alors qu'elle passe pas. Parce que ça, c'est PNJ, hein, c'est pas un joueur. Étonnant. Ouais, c'est ça, faut un but, sinon. Je veux pas dire que je suis admiratif, mais moi quand je vois les gens qui farm là en RP pour dire de faire du pognon, hein, parce que c'est le pas d'autre but. Ouais, moi j'ai un peu de mal quand même. Non, c'est des caisses d'orange maintenant. Bah en fait l'IA, ouais, on peut appeler ça une IA, mais. À la base, les trucs sont scriptés quand même pour passer sur des trucs. Enfin, ils sont pas en roue libre, les machins, tu vois. Ils ont des chemins, ils ont des trucs. Donc là, c'est un peu surprenant.
à chaque fois. Qu'est-ce que tu appelles routine PNJ? Sincèrement, je crois pas que. Alors, je suis pas le mieux placé pour te répondre, c'était plutôt un des devs, mais à ma connaissance, il n'y a rien de spécial de ce côté-là par rapport à. Ouais, je pense que c'est juste que tu n'avais jamais vu que c'était possible, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose là-dessus. Après, pourquoi pas, hein, c'est possible après tout. Hein. Je crois que comparé à Peli5, Titi n'a pas réduit les routines PNJ alors que sur Fire. Ah, ça par contre, c'est possible. Après, c'est peut-être bien obligatoire dès l'instant que tu arrives sur un certain nombre de slots. Parce que bon, ça forcément, ça bouffe de la ressource quelque part. Hein. Si, soit c'est sur le serveur, soit c'est sur le client, hein, mais ça bouffe de la ressource. Salut Pépéro. C'était quoi le nom de ton perso sur Payday? J'arrivais pas à m'en souvenir la dernière fois, là, ton qui était au bureau du shérif là. Je l'ai déjà fait, oui, j'ai déjà fait. Jack Monroe. Jack Monroe. Ok, mais il y avait sûrement une raison, hein, s'ils ont fait ça, parce que ça enlève un peu de vie, donc c'est un peu dommage. Donc s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait certainement une raison en rapport avec les ressources, ou j'en sais rien, mais. Les avions, je pense que ça pouvait être éventuellement pour d'autres raisons. Le problème, c'est que. Je sais pas s'il n'y avait pas une histoire avec le fait d'avoir un add-on qui gère les réservoirs d'essence. Je crois que les avions tombaient en rade d'essence, ou les hélicos tombaient en rade d'essence, et donc ils tombaient au sol en fait. Et je crois que c'est pour ça que ça a été viré. Par exemple, sur Félie, t'avais pas les Zeppelins. Nous, je pense qu'il faudrait qu'on les vire, les Zeppelins, là, parce que c'est casse-couille. Au niveau de la ferme, nous, on a les biplans, c'est pareil, ça arrête pas de se casser la gueule. Il faudrait, je pense, à un moment donné, les virer aussi. Mais après, s'ils ont été aussi loin dans le fait de virer de la vie, c'est qu'à mon avis, arriver à un certain nombre de slots, ça doit plus être tenable. Ou alors ça l'est, mais il faut vraiment augmenter les capacités de la machine, quoi. Salut Kixen. Après, c'est vraiment des. Ouais, c'est une question à poser au dev, quoi. Ah ouais? Mais je
Je sais pas. Est-ce que c'est ActiveSync qui fait ça? Je sais pas. Ça devient infernal les PNJ, en plus nombre de scripts aussi. Pour l'instant, j'imagine qu'il y en a assez peu. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, sur Feli, il y avait des moments ça paraissait super vite quand même. Il y a des moments où tu étais en centre-ville et... mais ce n'est pas tout le temps, c'est ça qui est bizarre. Je sais pas comment fonctionne exactement le pop des PNJ, mais ça fonctionne par des bulles, mais... vraiment, il y avait des moments où tu avais l'impression que tu étais seul dans la ville, quoi. Salut Grammarque. Bah 5M avec ActiveSync c'est... Bon ça marche quoi mais... Tu peux vite mettre le serveur par terre si tu fais pas gaffe en fait. Plus t'as de monde, plus tu risques de mettre ton serveur par terre avec une connerie. La météo. Salut furtif. Ouais tu vois je savais même pas. L'heure, oui, il est clair que les heures, genre les prostituées, tu les as à partir d'une certaine heure. Sur Vinewood, t'as un changement de la population passé 23h, 23h du jeu. En pleine nuit, t'as quasi plus de circulation. Donc oui, il y a... Sur les horaires, je le savais. Sur la météo, je savais pas. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça me manque la pluie là, hein, je vous le dis. Hein. Vraiment. Hein. J'ai qu'une hâte, c'est que cette neige, elle dégage. Hein. Je déteste. J'arrête pas de le dire, mais. Je déteste la neige sur GTA. C'est. J'aime pas du tout. Dans GTA Online, ça va parce que ça dure qu'une semaine. Mais sur les serveurs RP, bah là, c'est au bon vouloir des admins. Et là, ça va faire un mois, j'en peux plus, quoi. Alors, on va aller faire des pommes. Mais on va... Oh non, on n'a pas besoin de mettre de l'essence. Non mais je suis pas contre la neige complètement mais moi je mettrais ça du allez du 20 au 31 tu vois. Ou même ouais du 20 au 31. Pour marquer le coup. Je crois que c'est là. Je sais même plus. Orange, donc c'est seul d'après. Oh, ça fait un mois, c'est trop long. Ou plusieurs fois une semaine en épisode neigeux. Ouais, pourquoi pas. Ouais, t'en mets une en décembre au moment des fêtes, t'en remets une autre en février, par exemple. Je sais pas, pourquoi pas. Mais... Ouais. Je trouve ça, en fait... je trouve que le jeu est déprimant, en fait. Parce qu'il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus rien. En plus, c'est bruyant. Après, bon, c'est moi, je veux dire, il y a plein de gens qui doivent aimer ça.
Et encore sur Eurol, on se tape pas les amas de neige là, qui t'empêchent de passer, qu'il faut pelleter, hein. Imagine la neige pendant tout l'hiver. Ah non, mais non. Non, là, je pense que sincèrement, tu me mets ça. Je pense que ben, je fais une pause RP 3 mois par an, minimum. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Hein. Enfin, tu vois, RL, je peux comprendre, mais. Comme sur Félix. C'était quoi, Félix? Ah, la pelletée, là. Enfin. Pourquoi pas, mais... Je suis pas fan des trucs chiants qui apportent pas grand-chose, moi. Bah ouais, c'est ça. Que t'avais pas... En plus, il te fallait un item, parce que si t'avais pas l'item, tu pouvais même pas l'enlever. Donc, encore, tu vois, moi ce truc-là, j'en aurais fait un, j'aurais essayé d'en faire un peut-être un truc fun. C'est-à-dire le bon, la main de neige qui ne fait que bloquer tes entrées de garage. Bon, voilà quoi. On aurait pu imaginer, je sais pas, tu vois, que de temps en temps ça popait en travers de l'autoroute, quoi. Mais sur Félix, je sais plus, la neige, ça ne durait pas tant que ça, il me semble. Je sais pas si ça durait pas un mois. Ce qui était déjà pas mal. Ouais, j'ai pas regardé sur les autres serveurs, mais à mon avis, tout le monde a la neige en ce moment. Un amas de neige de 8 hectares pop sur Wizard News. Lol. C'est pas vrai, c'est 3 mois. Oh, mais non. C'était 2 mois sur Félix. Je me rappelle pas que c'était aussi long, quoi. Non, je fais pas du crimi, monsieur Xerac. Ça va, monsieur Xerac? Ils ont un système de froid pendant le blizzard. Si t'es pas couvert, tu prends des. Mais ça, c'est très. Faut aimer. C'est très RP, RL Life, quoi. C'est un autre type de RP. Pas mon truc, on va dire, mais pourquoi pas. Tu te prépares à écouter Alex pendant 1 à 2 heures? Ah, vous avez une réu? Bah écoute, mes sincères condoléances, mon petit Xerac. Axa, est-ce que je pensais du FBI? Oui, je pense que bon, je peux le redire devant Xara, que j'ai aucun problème là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu moins troll, ouais, sans problème. Après, les trois personnes. Enfin, les personnages peuvent être différents, encore une fois. Je veux dire, tu peux avoir un mec qui est hyper strict, sérieux, machin truc. Non, troll n'est pas le bon mot. Troll n'est pas le bon mot. Mais un peu moins, je sais pas comment. Je sais plus. Pas comment on pourrait qualifier. Qu'est-ce que tu as utilisé comme mot tout à l'heure, Rod? Beauf, ou je sais pas quoi, je sais plus ce que tu as utilisé. Salut Wolfie. J'ai jamais dit ça, enfoiré. Le replay, il est là, Rodin. Franchement, alors, c'est ça qui est bien avec les streams, tout est enregistré, hein.
Là, faut pas que je fasse plus de croissance, sinon je vais t'emmerder. Hop, il manque 6. Salut, Essox, pardon, j'avais pas vu ton message. Ah ouais, donc en fait tu passes du mode comment je dirais connard au mode susboule en fait. Par contre, il y a un truc qui m'a fait rire, Rod, ton perso là, on est bien d'accord, hein, c'est la même gueule que Pastor. Ah ouais, clairement. Y a des gens qui commencent à arriver. C'est qui ça? C'est James. D'ailleurs, il manque des petites icônes, il faudra que je les remonte. J'ai vu une scène sur le parking hier où ça parlait de gueuse. Ah, la Gusenberg. Ah oui, ah oui, bah oui, la scène où on récupère l'arme sur Wade, ouais. Bon, après, le perso de Xerac, c'est un vieux con, hein. Raciste en plus. Moi, j'avoue que le perso FBI, je lui trouve une personnalité. Pour le moment, je suis pas vraiment. Quand tu regardes bien, tu as beaucoup beaucoup de personnages RP qui ont une tendance à être des connards avec un grand C entre guillemets. C'est souvent joué, hein. A plus Lapinos, merci d'être passé.
Après ça, de se sentir comme un connard, en vrai, tout est plus facile. Bon, je sais pas. Moi, j'ai du mal à jouer des persos. Je peux être connard, je pense, quand il faut, mais jouer que ça, j'aime. Non. Bah ouais, mais c'est enfin limite quand tu dis j'ai essayé de faire un personnage gentil exclu et on voit où ça l'a amené, ça me surprend pas en fait. Bah c'est ça le délire en fait. Le problème c'est que ce que tu vois souvent c'est je sais pas, tu vois le mec qui joue au bonhomme comme si c'était un chef mafieux, machin, etc. Alors que c'est juste, tu vois, un mec qui vend un peu de weed sur les trottoirs. Bon. Alors, t'es gentil, Rodgourou, mais t'es aussi un parfait connard. Donc, c'est pour ça que pas trop compliqué pour toi de jouer un connard. C'est toi qui le disais, hein. Généralement, c'est. Tu joues ce que tu es proche de la réalité. Pas moi qui le dis. Ma carapace. Tu sais s'il joue encore, comment il s'appelait, Néo quelque chose, non? Le gars qui était avec toi à l'époque de Pastor, là, qui était le patron de Rogers à un moment donné. Il était cool, lui. Je sais plus comment il s'appelait. Bill? Ouais, Bill Bird, c'est ça. Il joue? Il fait encore du RP, lui? Il me semble que je l'ai vu sur Steam l'autre jour, mais. Oui, on va aller livrer les deux supérettes. Il n'y a qu'à pas être là, hein. Ouais, il joue plus. Ok. Bon, il y a beaucoup de joueurs hein, qui font un personnage RP et puis une fois que le perso a disparu, il s'arrête là quoi.
Donc ça, ces deux super athlas sont définitivement faites. Coucou Mademoiselle Solène. Pareil, pourquoi ton pseudo me dit quelque chose? Et ça va, et toi? Tu joues un perso, non, Mademoiselle Fan? Ton pseudo me dit quelque chose, mais... Tellement bu des pseudos. J'ai joué chez les blagueurs avec Ekaz, ouais. Bah avec le même, entre guillemets, le même perso. Ouais. Alexa Winston, mais si, je me souviens de ton perso, Alexa Winston. Bah t'étais chez les blagueurs aussi. Tu t'es pas fait, tu t'es pas pris une peine lourde, toi, genre 40 ans ou un truc comme ça avec ton perso? Ça me dit quelque chose? Pas chez les blagueurs, mais chez HR. Et je confonds aussi par rapport au perso, c'est-à-dire que c'est pas toi qui as été extradé par le FBI ou un truc comme ça pour avoir buté je sais pas qui. Mais Alexa Winston, ça me dit clairement quelque chose. Hein. Non, c'est pas toi, bah ok, je comprends avec quelqu'un d'autre. Était à quelle époque chez HR, celle où il y avait, bah, il y avait Xarak qui était à HR aussi à un moment donné, si je me souviens bien. Et Mademoiselle Powell. Ouais, Nick Hunter, ouais, et compagnie, ouais, c'est ça. Mais ouais, quoi que je dis ça, mais c'est vrai que l'époque de Xerac chez HR, je crois que moi, mon perso était déjà parti. Il jouait Phelps, je crois. C'était Phelps qui était à un moment donné chez HR. Ouais, avec Nick Hunter et Marc. Ok, ouais. C'est avant ce que je dis avec, avec Xerac et Powell. Ils sont arrivés après, je pense, chez HR. Ça date, hein. T'as pas fait d'autres persos depuis? Alors, faut que je mette à jour puisque tout ça c'est fini. Hop, client. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après? On a Grapsid, mais c'est juste à côté, c'est chiant. Tonga Drive.
Tongva, comment on dit? Tongva Drive. Donc Tongva Drive, c'est celle qui est là. Donc limite, on peut faire Tongva, Spurt, plus Prosperity, plus West Eclipse. Qu'est-ce qu'on va livrer du coup? Haricots. On peut faire des haricots. Alors je réserve. C'est un truc que je fais sur Discord, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui bouge à l'écran. Bon, ensuite Prosperity Street. West Eclipse. Et Perth. Voilà. Le monsieur qui aimait bien les sacs poubelles. Tu vois, Rod, y a rien à faire, t'es catalogué, hein. Vient de Max Pastor, bah ouais, c'est le mec qui faisait les poubelles. Bah ouais. C'était même, bah c'est pareil quand on parlait de farm tout à l'heure. Vous étiez des maboules, toi et Bill, je me rappelle, avant que tu sois blagueur, les quantités de trucs que tu ramenais. Ah bon? Ah, écoute, non, je savais pas, non. Bah, Ika, j'ai toujours des nouvelles. Je joue avec lui de temps en temps sur GTA Online le samedi. Pas tout le temps, mais. Ça reste Ika, il change pas. Ah ouais, mais t'étais pire que ça, Rod. Je me rappelle que tu stockais des sacs poubelles chez toi pour optimiser le machin. Enfin, laisse tomber, quoi. Bah, en fait, c'est que les gens ont utilisé énormément l'imaginaire RP. Parce que l'histoire de balancer les cigarettes dans le lac, en 1850, je pense que tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Et ça joue l'imaginaire RP, sauf que l'imaginaire RP, la plupart du temps sur un serveur, bah, soit les deux acceptent de jouer l'imaginaire RP et c'est joué, soit l'un des deux l'accepte pas et c'est pas joué. Pas plus compliqué que ça. Moi, l'imaginaire RP, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Donc quand on me met face à de l'imaginaire RP, j'essaye de faire comprendre à la personne en face que m'intéresse pas. On va les mettre de l'essence, parce que après je vais oublier, puis on va aller faire des haricots. C'était impressionnant les conneries que t'ont dit. C'était incroyable. Il y avait des moments où je participais à des discussions. Je me rappelle d'une demoiselle, je pourrais plus dire le nom du perso, qui t'en voulait à mort, mais vraiment à mort. Elle était salée. Et quand elle parlait de ton truc à cinq personnes, elle avait cinq histoires différentes. Mais il n'y avait rien de rapprochant, hein. C'était cinq trucs totalement différents, quoi. Ah mais l'imaginaire RP donc sur la plupart des serveurs c'est soit c'est consentant des deux côtés soit c'est pas joué hein, c'est moi ça m'intéresse pas.
Bah attends, tu sais que moi, il y a plein de gens qui m'en ont voulu avec l'ouverture du bar que j'avais donné à madame, je sais plus comment elle s'appelait, Bellefeuille, pas Belle, non, Bellefeuille, c'était dans les filles d'à côté, ça. Comment elle s'appelait? Bellebouche. À madame Bellebouche. Ah ouais, je me rappelle, ça avait créé du bordel, ça. Hein. J'avais dû virer le bûche, enfin, le mec qui tenait la scierie, là. Pour pas qu'on m'éjecte et tout. Enfin, c'était un bordel. Ah, on nous réclame des jus. Peut-être profiter que mon truc est vide. Prendre l'appel. Oh merde, 400 boissons, s'il vous plaît, 200 pommes et 200 oranges. Ça doit être. On occupe. Yep. Je vais juste aller vérifier combien il nous en reste parce que je sais, je suis pas sûr qu'on a 200 de chaque. Marie Bellebouche, oh quel personnage c'était. J'avais un tout petit peu discuté avec la joueuse, HRP parlant. C'était, je dirais pas ce qu'elle faisait comme job et tout parce que ça regarde personne, mais c'était marrant de savoir le job qu'elle faisait et le personnage qu'elle jouait, c'était marrant. Non, c'est pas là. Si c'est jouable, eh ben, je vais lui répondre. Mike Dupont. C'est le DRH ou le copatron, je sais plus ce qu'il est au juste. Ah non, mais c'est totalement ça. Les deux trucs ont strictement rien à voir. Hein. Je vais te dire, elle a un métier, tout ce qui est plus honorable. Hein. Mais c'était marrant, quoi. C'était marrant. Mais les conneries qu'elle pouvait dire, mais. Moi, je me rappelle d'un truc avec Tripla et tout. On était partis vers l'une des villes du centre, là. Et Maribel et moi on parlait, mais on était dans un, honnêtement, dans un dialogue très, comment je peux dire, pas un mot de travers ni rien, mais une discussion bien, voilà quoi. C'était à mourir de rire. Mais elle avait un répondant, une répartie en plus qui était incroyable. Ah, volontiers de l'avoir sur Aurore, hein, vraiment. Hein. C'est super joueuse. Ah oui, je sorte le machin. Pourquoi tout sonne là? Oui, allô? Oui, bonjour patron. Ouais? Ah, dites-moi, je viens de faire des tomates et le champ il est dans le rouge. J'ai un endroit où je le signale ou... Il est complètement mort ou il Non, 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 est. non, il a les trois ronds dans le rouge. Non, il n'y a pas besoin de le signaler, il faut juste arrêter et les gens, quand ils vont commencer à aller dedans, ils vont le voir tout de suite qu'il est mort, donc ils vont arrêter. Voilà. Ok, très bien. Parce que je savais pas s'il y a un endroit sur l'intranet où il fallait Non, l'écrire. non, pas besoin, pas besoin. Ok, très bien. J'essaye d'être zéro paperasse. Ouais, non, mais je comprends, Voilà. il n'y a pas de souci. Ok, pas de Ça marche. souci. Allez, à plus Allez, bon tard. courage. J'avais eu d'autres messages, je crois. James. Ah. On va prendre le speedo. Maribel. Bon, elle a laissé un bon souvenir sur Felides, quoi. Elle aussi, qu'est-ce qu'elle s'est donnée à la fin, là, à farmer des plantes comme pas possible. C'est vrai que les mecs du désert avaient autorisé, parce que sinon elle aurait galéré. Hein. Voilà, quoi, je vais le foutre à côté du machin, parce que. Bon, sincèrement, le Philides aurait pu être un super truc aussi. Hein. Ça a été, à mon sens, abandonné un peu trop vite.
200. Et elle a, quand tu dis elle a continué à jouer sur un autre serveur, c'est sur un GTA ou sur un Felides? Si tu me dis Felides, elle était peut-être plus branchée par cette ambiance-là que le monde moderne, quoi. Je vérifie que j'ai bien compris ce qu'il m'a demandé. Pour une commande de 400 boissons, 200 de l'un et 200 de l'autre, on est bon. Donc direction la fonderie. Elle était sur Red Dead, ok, donc c'est peut-être ce côté-là qui la branche. Hein. C'est quand même deux ambiances, deux atmosphères complètement différentes. Hein. Bah après, ça dépend ce qu'elle cherche comme RP. Hein. Toujours pareil. Hein. Si elle est plutôt dans un RP civil, ça, elle peut trouver vraiment son bonheur, je pense. Du moins pour le moment, parce qu'on va dire que ça, c'est quand même très civil. Après, sur un RP crimi, peut-être un moins bon choix. Encore une fois, pour le moment. Moi, j'y suis passé sur Soz. Hein. J'ai beaucoup aimé la tenue du serveur. Tout est propre. Tout est. Le Discord, tout est très très clean, quoi. Je vais prendre par là, je pense que ça va être plus simple. Smad, merci pour ton follow. Pas que je me plante dans les embranchements. De mémoire, faut que je sorte là. Et que je parte à gauche. Mais c'est ça, il faut que je ressorte tout de suite.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Bienvenue. Oh, ça va, ça va. C'est pour moi la valisette ou? Ah non, c'est mon goûter. Bah. C'est quoi comme goûter? Parce que c'est sacré valise pour un goûter quand même. Bah, il À faut ce qu'il moins qu'il y ait faut, hein. à moins qu'il y ait la petite nappe avec les petites assiettes, les petites fourchettes et tout. Mais ça, Bah, on se refuse de rien. ouais, c'est un Le petit petit pic. service à thé, tout Ah ça, hein. oui, petit, ah oui, c'est un petit pique-nique, petit service à thé. Ouais, Un bah pique-nique oui. anglais, quoi. Ok. Ça marche. Bah tout est dans le camion, il est ouvert. Vous êtes Bah tout seul là? parfait. Ah oui, malheureusement, oui. Ouais, je vais essayer de vous accompagner si vous voulez, parce que. Ouais. Merci. Vous avez jamais visité d'ailleurs les locaux? Je pense pas, non. Vous Effectivement. intéresse? Bah pourquoi pas? C'est Spark. Oh, il fait chaud ici, hein. Ouh. Ah bah oui. Donc ici, bah, nos petits bureaux, hein. Les gens ils stockent leurs affaires généralement. Une mini salle de pause, on va dire ici. Pour à boire et à manger, hein. Ok. Les bureaux de la direction. Ok. En plus, hein. Ah bah On passe après beaucoup de temps, nous, forcément. c'est l'industrie, hein. Ouais, c'est un petit dédale. Bah, un peu partout, on peut se promener, mais on va faire le tour pas. Vous avez le vertige ou pas du tout? Non, non, non. Faites attention à vous. Ouais. Toutes les machines sont un peu chaudes par ici. Ah la vache, là-bas, le machin le creuset là avec le métal en fusion là. Hey! On va aller en salle de pause. Par ici. Pas dangereux. Ah, c'est sûr que la sécurité, ça doit être une sacrée affaire ici, hein. Ouais. J'ai ce qu'il faut, hein, moi. J'ai mon petit chapeau, hein, si besoin. Enfin bon, si vous tombez dans le machin, votre Ah chapeau va ouais, bah on pas. meurt comme Hein? tu veux, hein. Ah bah oui, j'ai le chapeau Je va pas touche jamais servir la à grand cuisse, chose. d'ailleurs, elle est chaude, hein. Ça, c'est marrant. Alors j'en ai aussi hein, de chapeau, mais à mon avis, il va être moins efficace. Hein. Faut pas tomber surtout. Et voilà notre salle de pause. Dalles, dites-moi. Non mais non. Me donner le reste du coup. C'est un peu petit par ici, mais bon. Bon, Tant après, compliqué de faire il y a ce des qu'il gros faut, trucs. quoi. Oui. Un gros espace, etc. Ça reste compliqué. Ouais. Mais bon, on va peut-être s'agrandir pour au moins faire une bonne salle de pause pour les employés. Bon, c'est comme chez nous, hein. Enfin, vous avez vu, nous, on a un petit bâtiment, mais c'est ridicule. Mais on a déjà des plans pour quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que ne serait-ce que les quais de chargement, enfin, nous, on charge beaucoup de caisses et il faut qu'on soit capable de charger 5, 6, 7 camions en même temps. Ah oui. Et, ah, bah ouais, Oui. et là, clairement, avec le truc qu'on a actuellement, allez, 4 ça passe en se serrant bien, mais après, c'est compliqué, hein. Donc, Deux en intérieur ça passe et un sur le côté hautement, mais c'est tout quoi. ouais, c'est ça. Donc, Après, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus quoi, généralement. ah bah nous, il y a des moments, on a 6 ou 7 camions qui arrivent en même temps à la ferme. Ah C'est vite oui. compliqué.
Donc là, bah, Comprends. pour rapport au plan de l'architecte et tout, on va y penser justement pour que ce soit. On appelle ça la ferme, mais on va être honnête, hein, c'est plus une usine agroalimentaire qu'autre chose. Hein, donc il y a quand même Ah beaucoup, oui. beaucoup de débit. Hein, donc. Ben, j'imagine, hein, pour nourrir toute la population. Ben voilà. Donc oui, je vous dis, le plus que j'ai eu, c'est 9 camions qui étaient sortis. Ok, ah En oui, pas même mal. temps. Donc. C'est plus que nous, pour le coup. Ah ouais, non, ça fait pas mal, hein, ça fait pas mal. Après, bon, ils sont pas forcément en train de faire des livraisons, ils peuvent être dans les champs et compagnie, mais ça fait quand même 9 véhicules qui circulent en même temps Ah ouais, non, ça j'imagine, hein. sur au Il final n'y un en a que chemin, 8 quoi. maximum pour le moment. Ouais. Mais bon. On va pas se Pas plaindre, mal, pour c'est pas l'instant, mal. ça se passe bien, donc. Ah, tant mieux, tant Et mieux. d'ailleurs, là, vis-à-vis des impôts, là. Ça a été vous Oui. votre calcul là pour cette semaine ou... Ah bah, on paye plus d'impôts que ce qu'on a comme bénéfice, donc c'est marrant, hein. Non mais ouais, non mais c'est ça le problème. Alors nous à la ferme on s'en sort bien, mais ils ont à première vue à Xero et à Raven ils ont le même problème que vous. Je crois que le bénéfice aussi, c'est pas loin, mais Ouais. ils ont des calculs différents, mais bon. Et d'ailleurs, on sait comment on doit faire là, parce que moi j'ai pas vu de message ou quoi que ce soit là. C'est à nous d'appeler, on doit appeler quoi là, pour payer? Parce qu'en fait, ça va être. Bah, je présume que c'est du DST, hein, d'après l'article de loi, là. Donc c'est l'UDST Je sais pas. qui collecte et qui récupère quoi. Bah, j'en ai bien peur, et je sais pas du tout comment Bon, ça se bien passe. peur, moi Justement, je m'en j'en ai fous, parlé avant-hier au patron, hein. Ouais. et il savait pas non plus comment ça se passait, donc je sais pas si je le laisse faire une première fois ou si je m'en charge, je verrai. Ce Bah serait pour étonnant que moi, l'UDST soit disponible ce matin, de toute façon. Ouais. ah non, là ce matin, à mon avis, c'est mort. Enfin, Ouais, même cet après-midi. Oui, ça c'est. ouais, Ouais. Mais à mon avis, bah, il va falloir aller à la Pacifique. Vous donner, ils vont vous dire voilà autant. Quoique, ils savent même pas, je crois, le montant des impôts. Hein. ah Donc en bah ils fait, peuvent pas. Justement, c'est ça le problème, c'est que je veux pas qu'ils le sachent. bah, il le. C'est Bah notre là, le entreprise, ils doivent problème. pas le savoir. Bah ouais, mais là le problème, c'est que comme vous allez devoir lui donner le pognon, il va bien le voir. Hein. Après, je pense qu'il s'en tape. Hein. Je sais pas si on peut lui donner une mallette scellée ou autre, je sais pas. Hein. Pour le moment, je pense que voilà. Hein. Ouais, non, j'imagine que la première fois, bah, ils sauront le Ouais. montant, hein. J'en ai bien peur, mais il faudra vite y remédier à ça. Parce que je suis pas. Personnellement, je suis vraiment pas fan qu'une entreprise privée le sache. Ouais, bah, ça donne beaucoup Ou alors, il faut d'informations. Hein. que. Ou alors, faut que tout le monde, du coup, sache toutes les impôts, tout le monde. Et soit c'est public à tous, soit c'est pas public du tout. Ouais. Bon, après, moi, c'est mon avis. Hein. Si le gouvernement dit qu'il faut faire comme ça, on fera comme ça. Hein. Oui, bah, C'est le de toute gouvernement, façon, pas mais le choix, quoi. Mais ouais. on a d'autres choses à fouetter contre le gouvernement avant ça, de toute façon. Mais moi, je ferai sûrement un transfert à un moment donné, là, et puis en même temps, je leur dirai bon, comment on fait pour les impôts, parce que, ben, sincèrement, quitte à payer, quoi, enfin. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. À voir, je sais pas. Je sais pas Ok. non plus. Bon, bah écoutez. On va continuer la visite. Hein. Ah, il y a encore. Ah, c'est pas fini. Oh, bah si, c'est fini, ça c'est la sortie. Ah oui, c'est vrai C'est qu'on pour n'est ça que pas je me arrivé par demandais là. si vous Ok. étiez. Ah non, je j'ai pas le vertige. Là, c'est. Pas avoir peur de l'échelle. Oui, elle est pas évidente à attraper l'échelle a priori. Non. Mais bon, ça va, c'est pas Non, si haut que ça. non, non. Non, il y a la neige qui est amortie. J'ai peur de l'été d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui préfèrent passer que par l'intérieur. C'est pas des plus évidents. Il y a des trains qui passent? Oh. Heureusement, il n'y a pas de train. Bah oui, surtout que on va pas. Enfin, à mon avis, s'il passerait, il roulerait pas très vite, mais. Non, 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 non. Ça sera vite chiant, quoi. Ah oui. Ouais. On se retrouve devant. Ah oui, ok. Voilà. Eh ben C'est pas super. très grand finalement. Enfin, c'est quand même grand hein, pour l'entreprise, Bah mais. ouais, fille, enfin, bon, c'est déjà pas mal. Puis après, c'est l'industrie, c'est pas non Ouais. plus. Voilà. Je pense qu'on va soit prendre le petit bâtiment à côté ou soit le petit bâtiment derrière pour au moins faire les vestiaires, etc. Ouais. Après, on verra. Ok. On aura peut-être d'autres trucs à faire plus tard aussi. Ouais, petit à petit. Oui. Ça marche. Bah écoutez, je remonte à la ferme.
Yep, bon courage à vous. Bonne journée, à bientôt. Merci pour la Merci visite. également. Et s'il me reste à bouffer que dalle. Mais j'ai même plus de. Ah mais j'ai dû lui donner avec les miens. Bon, c'est pas grave. Je sais plus par où je passe, si c'est par là. On va aller au dock. Hop là. Et retour à la ferme. Avant de crever de soif.
J'ai pas mis à jour le. Ah, mais non, mais je les ai pas fait les haricots. C'est vrai que j'étais parti faire la livraison. Un bout, hein, sans de rien, de la ville jusqu'à la fin. Regardez combien il reste dans la pompe. Donc j'ai pas fait gaffe, mais James a dû s'en occuper. Appel 0, effectivement, il a fait 1 heure, j'ai pas fait gaffe. Clôturer l'appel, je vais tout de suite rajouter ça dans les commandes. GBLCEP, pierre sans vue. Sur un petit truc pour les factures fin de semaine. UDST qui m'a pas rien commandé cette semaine. Weasel pareil. Étonnant d'ailleurs, le Weasel. En 2 semaines, ils ont jamais, quasi, ils ont commandé quasi rien. Je sais pas comment ils font. Hop. Et une Nightmare. Salut Xokina. Ça, Weasel, c'est parce que le patron, c'est une pince.
Je crois que je vais d'abord refaire des jus parce que si on a une autre commande qui tombe, ça va être dans le cululu. Attendez, c'est lequel de Pounder que j'avais? Le 4. Dur métier de fermier, sa vie à récolter. Oh là, il y avait quelqu'un. Pas fait gaffe où il était, merde. Je sais pas s'il était dans les salles, dans les tomates ou s'il était dans les oranges. Vous avez de la pub qui passe de temps en temps? Parce que en fait, moi, je vois rien de mon côté. Parce qu'à part, à part me mettre un gros bouton pour déclencher la pub. Non, mais tant mieux, si on n'a pas, c'est tant mieux. C'est horripilant. En fait, les interfaces, moi, ça faisait longtemps que j'avais pu streamer et l'interface a tellement changé que j'étais en train de regarder les boutons. Et je vois que j'ai un truc pour lancer de la pub et en fait, je me demandais s'il en balançait tout seul, en fait, déjà de base, sans que je lui dise quoi que ce soit. Ils ont fait un système, je sais pas si ça existait ça avant, où tu peux que le chat ne fonctionne qu'aux gens qui sont sub. Putain, c'est chaud. Oh, quoi que non, ça doit exister depuis longtemps. Il me semble que Zerator est dans ce mode-là depuis des années. 2 minutes, ouais. Ok, Axo. Bon, je m'intéresse à l'interface, un de ces quatre quand même, mais. Donc là, comme on va faire des jus, on va blinder le camion et les poches. On va tout se blinder.
Oula, c'est quoi ça? Axokina, merci pour ton follow. Et là aussi, merci. Passer le chat en... Ah oui, ça existait aussi. Oh la vache, pour les coupures pub, il y a la dose, hein? Lancer une coupure de 30 secondes, d'une minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes. Et suspendre les annonces, ça c'est cool. Les streamers ont la possibilité en fait de d'appuyer sur un bouton qui leur permet de s'assurer que pendant 5 minutes, il n'y a pas de pub qui passe. Ça peut être bien en RP, ça, si tu sais que tu vas arriver sur un moment crucial d'une scène ou un truc comme ça. Ouais. Alors, j'en ai où là? T'as le Nixin. Et super balèque. Ça va, il y a avoir moins de biplans aujourd'hui là. C'est mon casse-tête. Salut Smad. Re-salut, parce que t'es passé tout à l'heure, il me semble. Bah oui, tu m'as frôlé il y a 30 minutes. Bon, c'est la première fois que tu parles, je sais pas. C'est long. Donc le camion est plein, on va se remplir les poches. Allez, ouf. Petit hot dog.
pas garé top. C'est son camion à lui que je vois là. Fait des jus. Ouais, là je vais refaire des jus. Ouais, parce que celui-là on a une commande, on n'aura pas assez. Le problème c'est que pour l'instant c'est son camion que je vois. Ah, mais merde! Ah, on va jouer comme ça pour le moment. Oula! Salut. Ouais. La voix elle est bizarre, je crois. Ah ouais, ah oui, ta voix elle est Ouais. complètement. Ah ouais. On a un robot parmi nous. Ouais, puis là c'est un. C'est un robot qui manque d'huile en plus, hein. Ouais, robot itinéris. En plus, je me souviens plus, je crois que c'est Xander. Ah ouais? Ouais. Longtemps qu'on l'a pas vu lui. Ça fait ouais, une semaine, facile, un peu plus. Il est passé pas loin de la guillotine, hein. Ouais, du coup c'est plein. Hop. 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 Toute une gymnastique. Ah, du coup je vais lui piquer sa place. T'es mal garé. Faut vraiment viser le. Hop. Voilà. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Donc le jus d'orange, machin, truc. Allez, c'est bon.
Mais c'est des fous Twitch. Mais ça arrête pas de péter les avions là, c'est un truc de fou. Et re... Ah, ça va mieux ma Ouais, voix? c'est mieux, ouais, carrément. Ouais. Avec les fêtes, je crois que j'ai un peu abusé. Ah ouais, c'était plus de l'abus, hein, là, je veux te dire sincèrement, on comprenait mais vraiment rien, quoi. Ouais. Ok. Quoi de beau à faire dans l'immédiat? Bah regarde sur l'intranet les supérettes où elles en sont. Ok. J'avais une question pour des pour un truc de map là. C'est dans client. Ça se trouve où les vendeurs ambulants 10 H et G? Alors, attends. Je crois que c'est ceux de en face de la Pacifique. Ok, en soit Pacifique. Ouais, je vois. Sur Bah ouais, Vanwood je Boulevard. pensais aussi, tu vois. Je suis Ouais, pas sûr. c'est ça, ouais, c'est ça, c'est Vanwood D'accord, Boulevard. ça, parce que c'est le seul où je savais pas où c'était. Ça marche. Regardez ça. Bon, ben, je vais aller faire du pain et livrer ceux qui manquent du pain, je pense. Ouais, si tu veux, pas de Ouais, problème. je vais faire ça. Ça roule. Merde, je fais le con. J'aurais fait des jus d'orange, après, il faudra faire un peu de jus de pomme. Ouais, je t'accompagnerai, je pense. J'en ai un peu marre de conduire là. Oh, comme tu veux, pas de problème. J'ai rempli pas mal de trucs. Je t'avoue que moi, il y a des Putain. moments, j'aime bien aussi être à la ferme, tu vois, et Ouais, c'est ça, se poser un récolter peu. tranquille, ouais. Et... Ouais. Bah, surtout que là, je viens de faire putain la Tongva Drive là. Oh l'horreur. Pourquoi? Bah, la route pour y aller. Ouais, c'est pas à côté, c'est sûr, mais ça va, quoi, c'est Ah, bah, c'est pas. surtout les serpentins à monter. Ah, ouais. Ouais, ça va avec ce camion-là, ça va encore. Hein. Oui. On aurait une mule ou. Enfin, même le Benson, hein. C'est. Salut Furtif, j'avais pas vu ton message. C'est Grapside, c'est quand il y a des avions qui font boum. Ah oui, mais là, putain. Non. Sens là, bordel.
sinon ouais j'étais au bénisse et j'ai testé la technique, ouais ça fonctionne bien là de sortir Ah bah directement. là tu vas tout droit tu vois donc Ouais. ouais c'est bien. Se méfier, ils ouvrent pas toujours la grille. Oh mais ils peuvent te l'ouvrir. Oui, non, mais voilà, mais Ah oui je me faut suis pas fait avoir foncer là. dedans, oui. Oui, non, j'ai pas foncé dedans, mais je testais justement pour voir si ça s'ouvrait. Ça, je vais les mettre dans Mais leur... d'ailleurs ils devraient obliger tout le monde à sortir par là, hein. Bah oui. Ça éviterait d'avoir des face-à-face au Bénise, ils ont deux entrées, autant en profiter en fait. Ouais. Il m'a déjà tout piqué quoi. T'as pris tous les jus? Quoi? Ah non, c'est pas toi, pardon. Je cherche après James. Ouais, je les ai pris, je les ai Ok. posés. Bah écoute, on peut aller se remplir un Ouais, camion un de camion de jus pommes. de pomme. Et pour les jus, moi je blinde le camion et je blinde mes poches, quoi. Oui. À plus avec Zokina, merci d'être passé. J'étais complètement vautré dans mon fauteuil. Hein. Ah oui, il résiste bien les champs quand même. Hein. Ouais, je pense, parce que vu comment on a tapé dedans tout à l'heure, un peu là, Ouais. si j'ai vu, c'était avec Tamara, je crois qu'on enchaînait à 3. Et je pense que sur les champs de légumes, on est pas mal. Y compris le champ de blé. Par contre, sur les champs des fruits, je pense qu'on va mettre un peu de glyphosate. Ouais, histoire qu'on puisse en taper un peu plus dedans. Bah ouais, parce qu'il y a les jus et les caisses, quoi. C'est ça. Puis bon, quitte à foutre un truc dans le sol, autant mettre un truc qui pollue bien, quoi. Sinon, ça fait moins vrai. Après avec les carcasses d'avion. Tu vois pas le nombre de litres de saloperie qu'il laisse à chaque fois, quoi. Bah oui. Les congés sont bientôt finis déjà, la vache, putain, c'est passé vite la petite semaine là. C'est bien, on a bien tourné aujourd'hui là. Bah écoute, hier ça a bien tourné aussi, là je voyais la compta, ça a bien tourné. Ça a pas trop mal tourné cette semaine au final. Et là aujourd'hui j'ai pas trop regardé, mais oui, ça a l'air de Bah je tourner. sais que bah tout à l'heure avec Tamara et compagnie, là, on n'arrêtait pas d'enchaîner.
Tamara, elle travaille là ou elle est... Non, je crois qu'elle est repartie. Ok, d'accord. Je sais que vers 12-13 heures, là, on enchaînait à fond. Il y a le nouveau qui bosse, je crois, moi qui viens d'arrêter, mais il m'a appelé il y a pas longtemps, il bossait encore. Ah, tu vois, là on vient de passer rouge, Ouais. là. Ouais. Ouais, on tape encore une fois dedans. On verra bien. S'il descend à 2, on stoppe. Hein. Ouais. Non, mais clairement, les fruits vont être trop. Ils sont un peu trop légers, là, les champs actuellement. Ouais, bah, surtout que ça va encore, mais si des stocks des supérettes vont descendre en fonction de ce que les gens achètent, etc., on va devoir taper encore plus dedans pour les caisses, quoi. Ouais, mais c'est pas grave ça, hein, je veux dire, ça me fait pas peur. Après, il faut se dire, hein, c'est que là, à chaque fois, on remplit un peu les supérettes comme des porcs. Hein. Oui. Quand on aura l'application de l'état des stocks, tu verras Oui. qu'on va en Ça balancer sera à beaucoup 10 moins. par 10. Ouais. Me remplir les poches. Putain, on est entouré. Oh, il y en a un qui vient d'atterrir. Oui, puis il y en a un qui est passé juste à gauche. Hop, stop. Et donc là, à mon avis, les pommes, on peut oublier pour un moment. Ouais, bah écoute. Après, là, on a livré trois belles commandes en jus, donc je Oui. pense que. Bon, on va pas trop avoir de trucs là. Il y a le Weasel qu'on vende pas, je sais pas ce qu'ils font. T'as pas besoin de bouffe là, il y a le tacos qui est là. Non, c'est bon, j'en ai encore un. Bah, Weasel et puis l'UDST depuis leur grosse commande là, ils ont parfait. Ouais. Le Weasel, je vais essayer d'appeler le. Parce que le directeur, j'ai l'impression qu'il est jamais là. Par contre, je vais essayer d'appeler le. Bah, le co-directeur, quoi. Peut-être que lui, bougera un peu les culs, quoi. Je crois qu'ils en avaient fait une de 200 au tout début, et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Enfin, c'est ridicule. C'est des jus de pomme, je suis con. Allez, bonne fin de journée, messieurs, bon courage. Merci à Ouais, toi aussi, à la salut, prochaine. bon courage.
Zéro qui a encore explosé a priori. Ah, ça me fait sursauter à chaque fois ces alertes là. Wadjiant, Wadjio, je sais pas comment dire comme ça. Merci pour ton follow. Ah ouais, non, mais en fait, surtout quand c'est une période un peu calme comme ça. En plus, j'étais en train de mater des trucs sur un Discord. Puis d'un seul coup, t'as le machin qui te gueule dans les oreilles. Bon, je regarde, c'est les alertes de base de Twitch. Moi, j'ai rien touché à ça et on doit certainement pouvoir régler un peu le volume. Je suppose que c'est de votre côté, c'est fort aussi, donc. Et c'est Wedgeant. Wedge en. Wedgeant. Ok. Je te laisse. Ah ouais, bah non, c'est bon, Ouais. vas-y. Hante, comme fourmi. Ok, d'accord. Voilà, je peux faire une caisse de tomates là. Hop là.
3 machins, ça je le prends. Tu veux faire quoi du coup? Je sais pas, là je pense que je vais me poser 5-10 minutes, puis Ouais, après ok, je verrai. pas de problème. Ça roule. Bah, je vais me mettre le camion ailleurs, mais en attendant. Je vais me ranger. Bon, je vais prendre un petit côté. Alors, garage, garage. Oh, c'est quoi tous ces camions en panne là? C'est une blague. Ah ouais. Bon, on va aller vérifier, parce que j'ai l'impression, a priori, il y aurait quatre. Il y aurait 4 camions en panne, quoi. Alors le 2 serait en panne. Effectivement. Voyant d'huile qui allumait. Ensuite, il y aurait le. Ça, je peux l'enlever. Tac, il y aurait le 6. Ouais, triangule aussi. Oh, merde. Il y aurait le 8 également qui sera en mauvais état. Oh mon Dieu, mais là il y a carrément une fuite de gasoil. C'est quoi ce bordel? Quels états ils sont les camions là? S'il se met à brûler.
pas quelqu'un qui obélise. Je m'y fais pas ce téléphone. Ça date déjà de Félix. Bonjour, deux huiles. Plus une crevaison. Bonjour. Salut! Je vais faire un petit tour, chercher de la bouffe, puis je reviens prendre mon service. Ouais, pas de soucis. On a du camion d'un coup. C'est moi qui les ai sortis. Il y a Ah deux oui. huiles, une fuite de carburant et un pneu crevé, quoi. D'accord, et personne n'avait signalé. Bah, ils sont signalés sur le garage de l'intranet, Ah, mais d'accord. personne n'a appelé le Béniz. Donc là, je viens de les envoyer un message, on va voir s'ils sont là. Oui, Oh, c'est bon, l'appel a été pris. je j'ai crois un chopé qu'il y a un griffe. camion qui coule. Ouais, il a un rhume. Nickel. Mais non, il y a une fuite de carburant, c'est pour ça que je l'ai mis un peu à côté. Le Béniz Oh, arrive. ok, ça Voilà. marche. Mais t'as une voiture Ça pour faire tes explique pourquoi courses il y en a. ou. Oui, Ouais. j'ai ma Punto dans le Ok. garage. Tu peux prendre ma voiture si tu veux. Oh ben, ça va, la Punto, ça fonctionne bien aussi. Comme tu veux. Fais gaffe, je suis malade. Ouais, mais bon, pour le moment, ça va, c'est pas trop contagieux. C'est bizarre le vendeur de tacos là. Ouais, soi-disant on peut le livrer, mais pas compris. Ouais, non, c'est bizarre. Ce que je lui ai dit, fais gaffe, t'es sûr qu'on a le contrat parce que il y livre rien. Ah non, il faut rien livrer. Par contre, Ouais. vous pouvez acheter des trucs si vous voulez, Ouais. mais livrer rien. Après, sincèrement, moi je serais pas contre qu'on ait quand même un vendeur ambulant ici à Grapside, Bah oui, ça un c'est Sandy ça. Shore, un Paletto, tu vois, ça serait. Quitte limite à en enlever du ponton, tu vois, parce que franchement, le ponton, il y en a tous les 4 mètres, quoi. Ouais. Avec tous les touristes sur place. Ouais. Oh, il doit faire de l'oseille, les mecs, hein. Ouais. Bon, je suis dans ma tête 2 petites minutes, je reviens. Ça marche. Les gens, un petit AFK bio rapide, je reviens.
Bonsoir. Ah, c'est pour vous. Ouais, c'est ça. Et tenez, un petit cache-trou. Bah, ça marche, allez, merci Doc. Prenez un petit peu d'eau avec. Ouais. Vous faites attention, il fait froid. Hein. Bah oui. Oh. Mais là, c'est bien à moi de vous dire ça avec ma chemise là, mais bon, je te vois pas, il n'y a pas de minuit. Pas longtemps dehors. Ouais, merci beaucoup Doc. Ça coule plus. Ici que ça m'a vidé le réservoir. Ouais. Ça va, vous n'êtes pas débordé quoi. Ouais. Si tout va bien chez vous, c'est impeccable. Ouais, nickel, y a pas de soucis. Eh ben allez, bah bon courage à vous. Pas de bobo sinon, monsieur à côté. Non, non, on est bon, impeccable. Et parfait. Eh ben, merci bien. Bonne journée à vous. Ouais, de ouais, même. Bonne journée, merci. Bon courage. Ça va? Hey, salut. Ouais, alors celui qui est là avait. Alors, par contre, ça ne fuit plus, mais je suppose que c'est parce qu'il n'y a plus de carburant dans le machin. Alors, si, il fuit encore pour moi. Ouais, moi je le vois fuir aussi. Mais ah bon, bah voilà, donc celui-là il fuit en tout cas. Ouais, ok, ça marche. Ensuite, bon, celui. Quoi, comme la tête, on se doit aller. Celui qui est là, crevaison à l'arrière. Ouais, ok. L'autre là, et les deux autres, alors celui qui est là et l'autre il est là-bas sur le côté. Okay. Huile. Ouais. C'est ça. Ok, ça bon, marche. Après, j'ai huile, regardez, mais à mon avis, il doit y avoir un phare pété aussi. Enfin, j'ai pas regardé. Oui, bon, je vais faire une totale à être là de toute façon. Ouais, ouais, ok, ça marche. Allez, ça marche. Et je m'y mets. C'est vrai que de toute façon. C'est le même prix. Oui, c'est le même prix. On paye le prix. De toute façon, on paye le plein pot à chaque fois. Donc, Ouais. Le coq a fait à mesure qu'il l'aura rempli, je vais les ranger. Vous êtes tous en service? Non, j'ai mon patron aussi. Et qui, okay. Du coup, là, va gérer le RH direct. Et là, c'est quand on nous appelle, vous faites pas les choses à moitié. Hein. Ouais, il faut dire qu'on fait des sacrés trajets, donc. Allez. Mais oui, je pense qu'il y a des gens qui ont moins de soins que d'autres, oui, ça aussi. Ah, ça, oui, ça, c'est les choses qui arrivent. Bon, je vais les ranger au fur et à mesure. Ouais, ça marche. Bien quand ils sont tout propres et tout. Faut le réparer aussi celui-là? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, me faire dans le bruit. Puis il y avait les vitres qui vite cassées en plus. Ouais, les vitres, on s'en fout un peu, mais ouais, quand tu décélères, ça fait un bruit de cliquetis, c'est ça? Ah, j'attends, je vais essayer de voir. On va voir ça. Normalement, peut-être pas, parce que j'ai pris plusieurs avant de faire celui-là.
Non, c'est bon pour celui-là, c'est bon. C'est bon? Ok, d'accord. Ouais, parce qu'on va pas réparer des camions pour rien, 650$ la réparation. Pour lui, c'est celui-ci? Ouais, c'est celui qui est là dans... Allez, ça marche. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui qui est là-bas. Ah, c'est pas celui-là. Ah oui, là-bas, oui, d'accord, c'est vrai. Ouais. Il y a des pourliches là de temps en temps. Là. C'est bon? Et voilà, je pense qu'on est tout bon. Eh ben super, attends, je vais te filer un petit quelque chose. Merci, c'est sympa, faut pas. Bah écoute, c'est normal, tiens. Ouais, merci. Pas de problème. Bah je te remercie. Eh ben avec plaisir, n'hésitez pas. Hein. Et à plus tard. Même avec un ou deux camions, nous sommes. Ouais, plaisir, ouais, bah là, en fait, c'est parce que je veux prendre un camion, puis je vois que dans le garage est noté 4 camions en panne, j'y oula, ça commence à faire beaucoup quand même, donc. Ah oui, bah oui. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé. Faire un entretien comme ça, ouais. Ouais, ça marche. Ouais, je vois, ça marche. Ok, ouais, ça marche. Merci bon courage, beaucoup. À plus tard. À plus. Je vais laisser bosser un peu hein, parce que c'est une semaine qu'il n'a rien fait. Et ça, on s'en fout. Hop. Et le répondeur, tout est OK. On va aller faire la petite photo. Miguel qui revient.
qu'on refasse les tenues. Quand on aura plus la neige, il faudra faire, parce qu'elle est vraiment dégueulasse. J'ai même pas vu qu'en plus que la botte elle passe à travers le jean. Ça va? Ça va? Bah oui. Quoi de neuf? Bah j'ai dormi. T'as dormi? Ouais, je me suis dit je vais faire un tour en soirée. Ouais. Sauf que mon fée a été plus fort. Ok. Ouais. Et ça a été là par rapport à la dernière fois là, c'est toi qui t'es fait tabasser là, tu me disais. T'avais pas reculé sur des gens avec le camion ou je sais pas quoi? Non, c'est pas moi. T'es sûr que c'est pas toi? Je me suis seulement fait tabasser une fois parce que j'ai voulu changer de vêtements pour me débarrasser de la chemise de l'aéroport. Ouais. Mais sinon, non. Ok, ouais, moi je confonds. Je deviens vieux. Bah après, je reconnais pas grand. Je reconnais pas encore les gens ici. Ah ouais, c'est normal. Ça. Bah moi non plus, t'inquiète pas, hein, ça prend du temps. Hein. Oui. Et, au début, tu te fais un peu à la voix des gens, mais. Oui, mais encore là, c'est. Encore là, des fois, je me dis, Vincent, je te connais, mais je suis plus sûr. Mais ça fait 50 fois que je demande les noms des gens, j'ai pas envie de demander de nouveau les noms des gens. Ah, t'inquiète, c'est pareil pour eux. Hein. Ouais. C'est bon. Ouais, on va se taper un blizzard encore ou quoi? On va souffler là. Ouais, ça ressemble à un blizzard, oui. Je suis arrivé à temps, tu vois. Bah ouais. Je sais savoir le blizzard. À boire, moi. Bah écoute, on va prendre ça. Un blizzard qui arrive ou quoi là? Bah écoute, ça a l'air de se mettre à souffler en tout cas. C'est bon. Ouais, oui, je vais peut-être attendre un peu avant de partir si ça souffle. Ouais, si ça souffle, ouais, c'est sûr. Hein. Attends. T'en es où toi avec ton camion? Hein? C'est quoi ce bordel? Oh là là, mais il
a fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il a foutu? Comment tu je comprends pas comment tu t'y prends là. Quoi? C'est, je sais pas, c'est le bordel. Déjà, t'as mis toutes tes poches dans le camion, c'est ça? Ouais. Mais pourquoi? Parce que t'as pas de place. Mais tu prends trop de jus sur toi, je pense. Hein. Déjà, ça va te faire, ça va t'emmerder. Ouais. Faut que t'en prennes moins. Et après, je vais te montrer. Faut ton camion, faut pas le mettre comme ça parce que tu vas faire que des allers-retours. Là, le but, ça va déjà être de transformer toute ta farine en pain. Ok. Yep. Et seulement après, une fois que toute ta farine est transformée en pain, mettre ton pain en caisse. D'accord, là ce que tu vas faire. Farine et après pain. Voilà, là ce que tu vas faire, déjà tu vas récupérer tout ton bordel dans tes poches. C'est fait. Voilà, va déposer quelques jus de fruits, garde-en 4-5 sur toi, ça sert à rien d'en garder 15, tu vois. Et en plus, si t'en as besoin avant de partir en ville, bah t'en reprends une dizaine avec toi avant de partir, tu vois, c'est pas gênant. Mais moins t'as de choses sur toi pendant que tu travailles, mieux c'est. Sinon tu vas être emmerdé, ok? Ouais, parce que j'ai vu ça, je me suis un peu mêlé là. Ouais, voilà. Donc attends, on va bouger le camion. Le camion, le but, c'est de le mettre en épi pour avoir accès en même temps à ton coffre et en même temps à la fabrication, ok? D'accord, montre-moi où tu le mets. Où est-ce qu'il est? Je le vois plus, je sais pas où il est. Ok, ça marche. Donc tu vois, le premier on le met comme si ça c'était une entrée de garage, tu vois un petit peu, ouais, et on le met dedans. Comme par ça, les... à ça, et ensuite, les autres... ensuite même, dans le voilà. Même sens. Exactement. Comme ça, ça laisse de la place derrière, machin. Ensuite, là, l'intérêt, c'est que, regarde, en te mettant là, tu as à la fois accès à la fabrication et à la fois à ton coffre de, à ton coffre de camion. Ouais, je vois. Donc là, déjà, ce que tu fais, c'est que tu prends toute la farine que tu peux dans tes poches. Ouais, et après, je transforme. Et tu transformes en pain. Voilà, déjà de base. Ok. Et une fois que tout le pain sera transformé, là on fera des caisses, et là c'est pareil. Les caisses, tu vas les chercher dans la réserve, tu les mets dans ton camion, comme ça après t'as tout sur place, t'as ton pain, t'as tes caisses, et tu peux fabriquer directement, tu vois. Ok. T'as plus besoin de faire des allers-retours incessants. Ah je vois, c'est plus optimisé, ouais. Ah, plus optimisé, c'est, tu vas gagner du temps, et c'est moins chiant surtout. Et là, quand tu transformes le pain en farine, bah, tu laisses ton coffre ouvert. Comme ça, tu, au fur et à mesure, tu transvases un peu les pains. Et hop, tu te remplis en farine. Comme ça, tu n'arrêtes jamais ton process, en fait. Ouais, c'est beaucoup mieux qu'avant, quoi. C'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà, tout simplement. Tu gagnes vachement plus de temps, quoi. Ah, mais tu vas gagner un temps fou, tu vas voir. C'est... Parce que là, la façon dont tu le faisais... pour moi, tu perds un temps de ma boule. Et quand tu le fais sur des récoltes standards, donc tout sauf le pain, tu prends 300 dans ton... Quand tu récoltes 300, tu mets pas un full camion, ça sert à rien parce que... D'accord, avec... 300, ok, 300, bah oui, pour les autres trucs. Parce que, oublie pas que tu mets 10 légumes dans une caisse. Et tu peux transporter que 30 caisses dans ton camion. Donc en faisant 300, t'auras 30 caisses. Ah, c'est bien, ouais. Tu vois, si tu fais plus, tu vas t'emmerder. Pour le blé, faire 112, j'ai fait 112, du coup. Ouais, ça, c'est pour le blé. C'est un peu spécial pour le blé. Ouais, c'est ça. Mais pour le reste, tu mets 300, par exemple, si tu fais des oignons, tu mets 300 oignons. Tu viens ici. Ensuite, tu mets 30 caisses vides dans ton camion. Et boum, tu transformes toutes tes caisses 4 par 4. Parce que tu peux avoir 4 caisses sur toi. Yep. Pleines, tu vois. Et tu fais 4 caisses. Donc, tu prends 4 caisses vides, 40 oignons. Boum, tu fais les 4 caisses. Tu mets dans le camion. Tu reprends 40 oignons. Voilà, et ainsi de suite. Et tu verras, tu vas gagner énormément de temps. Ça donne combien de pain de cargettes de pain du coup en tout, les 112 Ah bah les 112, ça va faire 24 cargettes, je crois. Ah ouais, merde, il en manque... Ah non, mais c'est pas grave. Tu peux pas faire mieux de toute façon. Quand tu prends les 112 blés, tu reviens avec 450 kg de farine. Ça veut dire que ton camion est plein. Okay, donc tu peux pas faire mieux. Quoi. C'est la recette qui est pourrie, pour faire simple.
Ok, c'est la recette du pain qui est pourri et je vais voir pour améliorer ça. On fabrique pas assez de pain. C'est bien d'avoir une grosse fournée et du coup faire 30 pains avec quoi. Bah, pour moi, il faut même, faire plus de 30 pains parce que le problème c'est qu'on a, 44 points de vente qui veulent du pain. Ouais. Donc pour moi, on doit pouvoir mettre beaucoup plus de pain que ça dans le. Ouais, je vois. Dans le camion, tu vois. En fabriquer beaucoup plus que qu'actuellement. Faire des pains moins lourds, quoi, faudrait faire. Ouais, soit ça, mais c'est surtout qu'il faut pas que. Là, actuellement, avec une farine. Avec deux. Attends, que je dise pas de conneries. Avec deux farines, tu fais un pain. Je pense que déjà, il faudrait qu'avec une farine, on fasse un pain. Ouais. Du 1 pour 1. Déjà, ça veut dire qu'on en ferait deux fois plus. Tu vois. Et donc, ça irait beaucoup mieux, quoi. Là, je peux prendre 40 pains et du coup faire 4 boîtes. Ouais, c'est ça. Et là, ce que tu fais. Parce que là, si je regarde dans ton. Tu vois, là, si je regarde dans ton coffre. Tu vois, t'as 179 kilos sur 450 kilos. T'as combien de. T'as combien de pains sur toi, là? Là, j'en ai 40. Donc 125 pains. Ça veut dire que tu peux faire au total 12 caisses. Donc le. Remets le pain dans le camion. Ouais. Tu vas voir, tu vas comprendre tout de suite. Ah, je suis pas de faim. Ah, t'as pas de pain? J'ai remis, c'est bon. Voilà. Donc 125 pains, ça veut dire que tu divises par 10. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire 12 caisses, ok? Là, ce que tu vas, c'est que tu vas dans la réserve, tu vas acheter 12 caisses. C'est le maximum que tu peux avoir sur toi quand elles sont vides. Je les mets dans le coffre, c'est ça? Là, tu vas les chercher dans la réserve, tu prends, t'en prends 12 et tu viens les mettre dans le coffre du camion. Ok. Je vois. Ok. Fabriquer sa caisse de pain le pain qui reste, là. Hop. Voilà, tu les mets dedans. Maintenant, t'as plus besoin de bouger, tu vois. Ah oui. Ouais, mais il a trop de trucs. Il a trop de trucs dans ses poches. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à en prendre 12. Ah, j'ai trop de jus, faut dans la. Ouais, c'est ça. Je te dis, tu vas être emmerdé. Voilà, et maintenant tu restes devant ton camion, là, comme ça tu as accès à tout, puis bah tu prends tes 40 okay. pains, tu prends 4 caisses, tu fais tes 4 caisses, tu les remets dans le camion, puis ainsi de suite. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Hein. Ah mais oui, ça va te simplifier la vie. Alors, je vais regarder, parce que je crois qu'il y avait du pain là-dedans. Bingo. Bon, chez Sunny Grain, on s'en fout de l'hygiène. Hein. Hop, 4 pains. Là, je vais lui prendre une caisse en plus. C'est pas prévu dans le compte. Je peux pas. Là, il m'en faut 6. Voilà. Ça, je lui fais une caisse de pain en plus. Je dis que j'ai plus de place. C'est parce que t'as pas remis tes caisses de pain dans le camion. Yep. Caisse de pain. Ah oui, c'est ah ça. Bah oui, ouais. Voilà. Nickel. Et là, mais du coup, il te manque un pain. Ah. Oh, comme ça, t'as les 60, t'as un truc divisible par 10. Et là, tu peux normalement, tu peux encore faire 7 caisses, tu vois. Ouais. Ah, là, prends. Voilà. Moi, je vais lui prendre le reste. Hop, 3 caisses. Voilà, fini. Récupérer des quelques jus et ça marche.
Je sais pas s'il n'y a pas une caisse qui traîne là-bas. Voilà, puis là, bah, tu livres les vendeurs ambulants, donc soit t'en livres qu'un ouais, je seul, regarde soit t'en ceux qui livres n'ont pas, plusieurs. hein. Pas coché et j'y vais. Ouais, voilà, tout simplement. Les coches avant ou quand j'arrive là-bas? Moi, généralement, je les coche avant, mais faut pas que tu oublies d'aller les faire, quoi. C'est-à-dire Ah, ce que que... je voulais faire, justement. Les cocher comme ça, pour dire que j'y vais, quoi. Ouais, c'est ça, comme ça, personne d'autre n'y va aussi, tu vois. C'est ça. Voilà, je vais Ouais, faire ça alors. fais ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a été chercher? Des tomates. La Bielle, c'est pareil, elle n'utilise pas la bonne méthode. Je vais te montrer une méthode, Abigail, une fois qu'il sera parti, pour que tu te sois moins chiant. Et placer les caisses dans le camion Mais oui, à l'avance. tu places. Normalement, tu arrives avec tes 300 tomates, ça veut dire que tu peux mettre 30 caisses dans le camion. D'accord? Et le camion, tu le. Là, il est. Il faut l'avancer un peu plus, tu vois, comme ça, tu peux avoir accès à la fois à ton coffre de véhicule et au panneau de fabrication. Et dans ce cas-là, bah tu bouges plus. Tu prends tes caisses dans ton camion, tu prends tes trucs dans tes fruits dans ton camion, tu fais tes caisses, tu remets les caisses ensuite dans le camion, et ainsi de suite. Tu vois? Et le premier camion, il faut faire comme si ça, ici. C'est un peu une entrée de garage, tu vois? Ok. Et en deux biais, il ne faut pas les mettre en perpendiculaire, sinon ça prend trop de place. Alors je vais te montrer comment le placer. Donc là, quand t'as pas de camion, le plus simple, c'est quand toi tu arrives en premier. Bah tu arrives en biais comme ça. Tu vois, il faut que ce soit en biais, puis tu vises les deux poteaux. Là, il est bien. Et donc quand tu arrives, s'il y a déjà un camion, bah tu te gares à côté de lui le plus proche possible. Tu vois? Et tu t'avances le plus possible. Et là, si tu as vu, quand tu te mets ici, Accès tu direct. as accès à ton camion et tu as accès à ton truc de fabrication. Donc là, bah, tu as déjà fait 3 caisses de tomates. Donc là, il t'en reste 270. Ça veut dire qu'il te faut 27 caisses. Bah moi, je serai de toi, je vais d'abord chercher les 27 caisses. C'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a montré cette technique-là avant-hier. Bah, je t'avoue que ça fait longtemps qu'on l'a fait, mais franchement, ça marche bien. Tu gagnes vraiment du temps, quoi. Que tu fais plus des allers-retours entre ton camion et la réserve. Et si t'as pas trop de trucs dans tes poches, tu peux en prendre 12 des caisses à la fois. Ok. C'est pareil, elle doit avoir trop de trucs dans ses poches, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à en prendre plus de 10. Merci Zub pour ton follow. Je vais commencer à lui transformer des trucs. Un peu trop à gauche, hop.
Ronaldo, merci pour ton follow. Pas partout. De quoi? C'est tellement mieux quand on court pas partout. Mais bien entendu, tu gagnes non seulement tu gagnes du temps, mais en plus c'est moins chiant, quoi. Bah oui. En plus, je vais tu prends 4 caisses et ensuite ton fruit, tu fais même pas 40, tu déplaces tous les fruits. De toute façon, t'as les poches tellement pleines avec les 4 caisses que tu vas en prendre un peu plus de 40 en fait. Tu vois? Et donc, t'as même pas besoin de les. Ça va plus vite. Hop, je fais les deux dernières caisses. Et voilà, madame. Eh bien, merci. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de jus. Après, j'irai peut-être faire des jus si on a encore besoin. Bah, il faut regarder. Là, je crois qu'il y en a quasi plus de 400 quand même de chaque. Donc, pour le moment, ça va. Okay. Tu vois? Ok. Ça va. On a livré 3 fois déjà des grosses commandes. Donc là, on va être tranquille. On va être tranquille un certain temps avant qu'on nous repasse une commande, je pense. Ok. Voilà. Ça marche. Et bah, bonne livraison de tomates. Eh bien, merci. Je vais aller sur Vanwood Boulevard. Les vendeurs ambulants? Ouais. Ouais. Les burgers. Il y en a 2 là-bas, je crois. Des burgers. Oui, oui, puis ils sont pas pris. Tomate. C'est ça. Eh bien, c'est parti. Et merci. Ouais, pas de souci. Je vais voir si le... Il est là, le vendeur de tacos, c'est cool. Hop là. Donc ça monte pas, c'est bizarre.
Et Gilles, merci pour ton follow. Il y a une copie de... bizarre. Ouais. Parce que là, j'ai quand même trois camions qui tournent. Quoi, j'ai dit que j'avais là 99 561. Ouais, ça fait 800. Plus 400. Là, ça monte fort là. Non, c'est une impression, c'est bizarre. Ouh, un stream, j'étais pas prêt. Bonjour et bonne fête de fin d'année. Bah, bonne fête de fin d'année à toi aussi. Pourquoi t'étais pas prêt? Que je stream, c'est ça? Bah, ça fait longtemps, hein, tu me diras. Et la fois que j'ai streamé, c'était à l'époque des blagueurs sur Feli. Donc, ça fait. Pouf, je sais même pas. 3 ans? Intrigue. Il faut que je reprenne le screen que j'ai fait. Hop. Alors ça fait donc 101 561 moins 99 531, ça fait 2000. Ce qui n'est pas un nombre normal non plus, mais ça c'est parce qu'ils ont plusieurs à livrer en même temps, c'est un peu compliqué. Oui, c'est quoi que c'est la première fois que je te vois en stream directement et pas via les autres joueurs. Ah bah oui, à part si t'as connu, il y a encore. Hein, je jouais quand j'étais un blagueur, à l'époque j'ai streamé, mais... Honnêtement, j'ai streamé 2 mois, quoi, j'ai pas beaucoup streamé. Et depuis, non. Et comme effectivement, j'ai quand même joué pas mal avec des. Bah, dernièrement, par exemple, avec Triple Action, des choses comme ça, donc forcément. T'as dû me voir sur ces streams-là. Je crois avoir entendu un camion. Ouais, Xerac aussi maintenant, ouais, c'est ça. Mais ouais, dernièrement, ça a été surtout le triple A sur Philly, avec bah, le fait que j'étais avocat dans son cabinet, plus un peu de procureur, puis toute la partie même gouvernement. Mais sinon, parce que même avec Foster, si je me rappelle bien. Ouais, non, j'étais pas trop avec des streamers à cette époque-là. Et à l'époque des blagueurs, bah là, soit tu me voyais sur le stream des cases ou même sur celui de Kamak en fait, puisque on était souvent à faire des conneries avec les brokers, donc.
Là, je couperai un peu avant 17h, je pense, puis je relancerai sûrement ce soir. Je sais pas si je me refais une tournée ou si j'attends les autres là. Ils sont partis loin là, ils sont partis aux vendeurs ambulants en plus. Il y a du monde sur le serveur. 47. Bon, je pense que je vais refaire une tournée. Alors, est-ce qu'on va les livrer? Alors, il manque des pommes à grapeside, mais on va attendre parce qu'on est en train de flinguer le champ. Pareil à Alhambra. Zancudo, il manque pas mal de choses. Ben, on va faire ça. On va livrer à Zancudo et aux trois Choumaches. Qu'est-ce qu'on va livrer? On va éviter de faire des fruits pour le moment. On va livrer des patates. Alors, hop. Là, je fais un truc sur Discord, c'est normal que vous voyez rien sur l'écran. Patates, et puis la chômage banque. Hop, allez, on va aller récolter les patates. Donc le champ, il avait la ruinée aussi, mais bon. Alors, je prends le Plunderin. Garage. C'est parti. Mais il y a déjà un mec en train de faire des patates. Rhum rominé! C'était au Baldo ça, non? Rhum rominé. Où est-ce que tu comptes livrer les patates? Je vais livrer Choumache là. Ah putain, ben j'avais prévu d'y aller. Ah bah. T'as pas réservé? Bah oui, bah. Je me souviens que je pense pas à réserver. Bah Parce que ouais. même... d'ailleurs, t'as encore plein de trucs qui sont réservés, toi. Mais non! Ton Vadrive, t'es encore réservé. Ah mais putain! Eh ben vas-y, fais chômage, je vais aller faire ce que j'avais prévu avec ton Vendrag. C'est vrai que j'ai dû faire autre chose entre deux, je suis allé Je livrer. crois que t'as dit livrer, ouais, chez Ouais. BSF. Et je vais enlever ma réservation pour les. Fais-en coudon en même temps que les chômages. Hein. Ouais, c'est ce que j'avais prévu. Ok. J'ai juste fait les trois chumash avec les salades parce que, bah, Zancudo, il y en avait déjà des salades. Oh, c'est vrai que je pense pas à réserver à chaque fois. Bah ouais, plus on va être, en plus ça va être chiant, tu vois. Oui, Donc. c'est ça. Bah moi je vais aller faire du coup du haricot puis je vais aller livrer les trucs que j'avais réservés. Après, je pense. La radio elle est pas allumée, elle est pas bien, parce que j'avais lancé à la radio. Oh mais sincèrement la radio, je te le Oui. dis ça, franchement. Moi je sais que je l'annonce à chaque fois. Ouais. Bon bah je vais faire des haricots. Hop. Ça marche. Oui c'est toi. Oui il me semblait bien. Bonne nouvelle, mon cher homme Rominé, on va pouvoir refaire des stocks à partir de lundi, c'est confirmé. On pourrait même déjà le faire à partir de maintenant, mais ça va me foutre la merde en compta vis-à-vis des primes et tout ça, donc autant démarrer sur une nouvelle semaine. Ouais, maintenant je vois tout sur la compta, je vois le nombre de livraisons par personne, le nombre de récoltes par personne, le nombre de transformations par personne. Donc du coup, c'est plus gênant de refaire comme on faisait avant. Et moi je préférais avant aussi, hein,
Je vois ça plus sympa, cette synergie entre les gens, etc. Peu que t'aimes pas livrer, en plus, il y a des gens qui aiment pas conduire des véhicules dans GTA, donc qui préfèrent simplement livrer ou gérer le truc. Voilà. Ce sera pas mal. Moi j'ai 5 hot dogs, les gens doivent acheter 4, non? Ah oh bah le Pounder ça reste un camion, hein. C'est. Je l'ai testé en mode full custom. Ça freine mieux quand même. C'est un peu plus de patate. Mais ça reste un camion. Après les trajets. Bon après tu peux. Bon après c'est vrai que quand toutes les supérettes commencent à être faites et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais tu peux d'abord focus les trucs les plus proches si t'as pas envie de faire des longs trajets, hein. De toute façon, avec l'application à venir sur les vrais stocks et tout ça, ça sera même plus intéressant parce que tu pourras avoir un peu de stratégie en disant bah tiens, je vais aller faire telle supérette, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, ça va rentrer dans le camtar et je vais les remplir d'un coup. Ça va être pas mal. Ouais, il drift pas mal, mais à cause de la neige, parce que sinon ça va. Sincèrement. C'est vraiment. Et franchement, de tous les camions, c'est le moins chiant. Le Benson, c'est un veau à côté. La mule, tu pleures. Ça avance pas. Le fantôme avec une semi-remorque, bah, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup, mais c'est un semi-remorque. C'est chiant, hein. Ça peut vite être galère. Hein. Donc au final, la mule, elle est. Enfin, le Pounder, il est. C'est le moins chiant. À part qu'il racle tout au sol, ça c'est le côté relou un peu, mais. Ah, le fantôme, c'est stylé, ouais. J'aime beaucoup. Mais la SMI. La SMI, le problème, c'est que là, tel qu'on est configuré actuellement, ça serait hyper chiant en fait. Parce qu'il faudrait garer les SMI en marche arrière, en épi. Décrocher pour dire d'être tranquille, pas prendre de place, mais. Tout le monde ne sait pas faire une marche arrière avec une SMI. Hein. Perso, j'ai pas de souci avec ça, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à faire une marche arrière avec une remorque. Bah, en fait, si on avait. Il y a un mapping qui arrivera à un moment ou à un autre. Si on a un mapping avec des espèces de quais de chargement, où tu rentres d'un côté et que tu ressors de l'autre. Franchement, un SMI, c'est nickel. Tu vois, ça peut être très stylé, très très sympa. Mais là, dans la configuration actuelle, ce serait une merde. Ah, le tracteur, moi, ça me hype, hein. Vraiment, le tracteur avec la remorque à grains derrière, pour les travaux des champs, moi, ça me hype. Et comme tu dis, tu mets la remorque devant la fabrication, tu la détaches, d'autres font les caisses là-dessus, puis tu transvases des caisses dans le stock, et t'as les Pounders qui arrivent pour charger, pour livrer les trucs. J'aime beaucoup la chaîne, j'aime beaucoup la synergie. Ouais, c'est ça. Oh, puis c'est stylé, ça avance pas, mais c'est tellement stylé, quoi. Par contre, lui, je l'ai testé normal et full custom. Ça change rien. On va essayer de pas prendre beaucoup plus de 300, ça va être chiant.
12, 12, 24. Donc derrière, on va aller à Tongva Drive, Prosperity, Perth, puis on a une troisième, quatrième. Oui, West Eclipse. Alors, tac. C'est parti. Est-ce qu'on a de l'essence parce que c'est un long trajet? Non, on va en remettre.
Oui.
Amy, Oui, Jason, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, ça va. Dis-moi, est-ce que ce serait possible de faire passer à tes employés un petit message comme quoi ils doivent préciser le nombre de litres restés Mais je leur dis dans à la chaque pompe que fois tu... en fait. Ah ouais, mais tous les appels, il n'y Ouais. a aucun litrage, il n'y a rien du tout. C'est un Bon, truc de fou. je pense que c'est toujours le même qui fait l'erreur en fait. Je vais le repréciser sur notre intranet directement. Ok, nickel, Ok, merci beaucoup. ça marche. Besoin enfin, je peux même plus, mais c'est plus pratique quoi, histoire d'éviter Ouais, non, de. mais de toute façon, si vous en avez besoin, vous en avez besoin, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Ok, Ça roule. nickel. Merci beaucoup, Jason. Je t'en prie. Ciao. Salut. Vais le faire tout de suite parce que je vais l'oublier. Du coup, qu'est-ce que j'ai sur moi? J'en ai 4. Je vais pas non plus me rominer. Mais après, je l'ai peut-être oublié de le dire, hein, tout simplement. Moi, je sais qu'il fallait le faire, qu'il me l'avait demandé, mais je ne voulais peut-être pas demander à vous. À mon avis, ils font ça parce que si, par exemple, ils ont que 1000 litres à ramener, ben... Ils n'ont pas besoin de transformer 2000, tu vois, et donc en fait ça va plus vite pour eux, etc. Enfin, il y a une raison pour laquelle ils le demandent de toute façon. Ah oui, eux ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qui reste dans la... Effectivement. Après... Encore une fois, ils ont certainement leur raison pour demander ça, mais le problème c'est qu'en plus, entre le moment où tu fais la commande et le moment où ils arrivent, bah tu peux avoir un ou deux camions qui auront refait un plein et entre guillemets, c'est déjà plus bon quoi. Je sais pas comment ils fonctionnent, peut-être qu'ils ont pas de... Ils ont pas de stock en fait, je sais pas. Non, c'est possible que j'ai... Possible que j'ai zappé, hein, franchement. Direction. On va faire direction Prosperity. On finira par West Eclipse, comme ça on pourra remonter par la Great Ocean. Pas forcément le plus court, mais.
3 pour la prosperity. Et on termine par la station de service de West Eclipse. Hop. Diet sodas are actually worse for you, you know. I'ma pray for you, baby. We need to talk. I don't like nobody playing on my phone. She a fucking klepto. Allez. Allez, où? Voilà, je vais remonter par la Great Ocean. Je vais mettre fin à cette session de stream pour le moment. Et puis, bah, sûrement, je relancerai un après manger ce soir, là, vers 20h, un truc comme ça. Puis on verra bien ce qui se passe ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui stream? Comme ça, je peux vous envoyer chez eux. Sympa. Alors, chez qui je vais vous envoyer? Il y a Chexa qui est là, tiens. Allez, hop. Je vais vous envoyer chez Chexa. Comment on fait? Ça doit être ça. Allez, je vous envoie chez Chexa, qui joue dans la petite criminalité pour le moment. Et moi, je vous dis sûrement à ce soir. Ciao, ciao. J'ai regardé, il a fait interview d'un gros hacker français, etc. Et tout.